Alors qu'il était en couple depuis 16 ans, Kinu, désormais séparé de son ex-femme, a expliqué cette rupture ce vendredi. Il s'est fait connaître grâce à son titre J'aimerais trop mais aussi avec le single Prince Charmant et Tahiti où je garde le sourire ou bien nous t'étais. Des titres estivaux qui ont réussi à faire danser la France entière plusieurs années d'affilée. À 40 ans, Kinu, de son vrai nom Kevin Bonnet, est devenu en quelques années une personnalité incontournable de la chanson et de la scène médiatique française. Il a participé à Danse avec les Stars en 2013 et à Masked Singer en octobre 2022 ou Fort Boyard dernièrement. En 2020, il s'était confié sur sa tristesse à la suite d'annulations de concerts. Si est à ce moment-là qu'il a vécu une période difficile et s'est ensuite montré honnête au sujet de la dépression dont il avait alors souffert. Une relation discrète du point de vue personnel, Kinu a passé 16 ans en couple avec la même femme, âgée de 8 ans de plus que lui, qu'il avait demandé en mariage un an après leur rencontre. En 2021, il se confiait sur leur relation, qu'il gardait plutôt secrète, on n'avait pas envie de s'exposer. Elle n'est vraiment pas jalouse, même quand je reçois des propositions indécentes, ça la fait rire. Elle a 8 ans de plus que moi, elle n'est pas intéressée plus que ça par la musique, d'ailleurs elle chante comme une gamelle. Le couple s'est toujours montré discret et l'on ne connaissait pas grand chose de la femme qui partageait sa vie. D'après Public à l'été 2022, celle-ci serait infirmière dans le service psychiatrie d'un hôpital à proximité de Rouen. Ils n'avaient pas eu d'enfants ensemble, le chanteur ayant révélé être stérile. Une réalité que le chanteur relativisait notamment par son hésitation de peur d'être un père peu présent. Kinu et la peur d'être égoïste néanmoins, le chanteur a récemment sa rupture dans un podcast. Une séparation sur laquelle il s'est de nouveau confié au magazine Public ce 4 août dans sa rubrique Côté intime, « Je ne suis plus avec ma femme ». Nous sommes séparés. Ça aurait été égoïste de ma part de continuer quelque chose alors que je ne suis jamais chez moi. Tu ne peux pas demander à une personne qui est avec toi depuis plus de 15 ans de vivre avec un fantôme. Ce n'est pas ça, l'amour, a confessé Kinu. Semblant expliquer que cette séparation était de son fait, à la question de savoir s'il était sûr de son choix, il a répondu, « On ne peut jamais être serein avec une décision tant que l'on ne sait pas si on a pris la bonne. Mais il faut faire des choix. » Yeah, you can just keep